Impressionnant. Voici comment vous pouvez enlever les poils de votre corps, pas besoin de cire ou de vous raser. D'une part, vous rêvez d'une peau lisse et satinée sans poils en permanence, d'autre part la cire et le rasage affichent beaucoup d'inconvénients et ne donnent qu'un résultat temporaire. Si c'est votre cas, découvrez la solution dans cet article. Les soins corporels sont une priorité pour les femmes vu qu'elles cherchent incessamment d'être belles et surtout que leur corps soit parfait répondant aux normes d'esthétique et de beauté. Pourtant, parmi les sujets qui s'avèrent vraiment gênants voire agaçants pour elles, il y a le problème de la pilosité excessive. Avant d'aborder la solution envisagée pour ce souci quotidien chez les femmes, découvrons d'abord ce qu'est la pilosité en général puis plus particulièrement chez les femmes. En quoi consiste le système pileux? Le système pileux ou pilosité est l'ensemble de poils plus ou moins pimentés recouvrant tout le corps sauf la plante des pieds, la paume des mains et les ongles. Suivant leur localisation, ils ont un rôle de protection de la chaleur, du froid ou de la poussière atmosphérique mais aussi de maintien d'hydratation. Comment poussent les poils? Les poils se forment dans un bulbe pileux localisé sous la peau et qui synthétise la kératine responsable de la solidité du poil et la mélanine garantissant sa pigmentation. En outre, la peau fournit un élément essentiel au poil qu'est le sébum. Quant à leur croissance, elle se fait avec une vitesse variable d'une personne à l'autre en dépendant de plusieurs facteurs en l'occurrence, le climat, le stress, prise de médicaments, l'alimentation, le sommeil, l'hérédité, l'âge. À cet égard, il est à noter que la pilosité chez l'homme est beaucoup plus développée que chez la femme suite à la présence d'un taux plus élevé de testostérone. Celui-ci fait partie des hormones androgènes chez la gente masculine et joue un rôle très important dans le processus de la pilosité. D'autre part, il est bon à savoir que la pilosité diminue au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Différents types de poils. La pilosité normale, c'est celle qui recouvre le corps et devient plus importante pendant la puberté vu la sécrétion des hormones sexuelles, les androgènes particulièrement la testostérone, hormone dont la sécrétion est beaucoup plus importante chez l'homme que chez la femme. D'ailleurs, c'est ce qui explique le fait que la pilosité est beaucoup plus importante chez la gente masculine. La pilosité excessive, dans certains cas, l'hormone masculine, la testostérone, est sécrétée en quantité beaucoup plus importante que la normale. Ce qui explique la présence, chez certaines femmes, d'une pilosité importante. D'autre part, même s'ils ont un rôle pour la peau, des poils excessifs restent toujours indésirables pour la grande majorité des femmes. C'est pourquoi, afin de s'en débarrasser, elles ont recours à divers moyens comme la cire, le rasage. Or, ces méthodes n'offrent qu'un résultat temporaire en plus d'avoir des effets secondaires, douleurs, rougeurs, micro-coupures ou encore l'endommagement de la peau dans le cas d'une cire rapide ou si elle est utilisée fréquemment sans aucune précaution. Pour remédier à cela, voici une recette simple pour enlever les poils du corps rapidement et définitivement sans aucune douleur. Ingrédients: 2 cuillères à soupe de poudre de tanaka, 3 cuillères à soupe d'huile de cardamome. Préparation: dans un récipient, incorporez les deux ingrédients. Selon la zone à épiler, vous pouvez réduire ou augmenter les quantités en veillant à mettre plus d'huile que de poudre. Ensuite, mélangez la préparation jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Utilisation: tout d'abord, commencez par épiler la zone avec de la cire ou un épilateur, puis appliquez la pâte sur la surface épilée en massant régulièrement pendant 5 minutes. Laissez poser durant 2 heures ou plus, puis rincez à l'eau chaude. Cette astuce est à utiliser chaque jour, pendant plusieurs mois, afin d'obtenir les résultats escomptés. En utilisation quotidienne, il vous suffit de l'appliquer sur la zone souhaitée. Cependant, dès que des poils repoussent, réitérez l'opération complète, c'est-à-dire en commençant par épiler la zone de votre choix. Selon la pilosité de chacune, des résultats pourront être visibles dès les premières semaines. Vertu des ingrédients. La poudre de tanaka. La poudre de tanaka est un produit jaune obtenu de l'écorce de l'arbre du tanaka. Elle est originaire de Birmanie.
Son action sur le poil consiste en l'affaiblissement de sa racine grâce à une protéine qu'elle contient. En outre, c'est un produit antiseptique utilisé aussi pour traiter l'acné, purifier la peau et la protéger contre les coups de soleil. L'huile de cardamome. Cette huile est un bon hydratant de la peau du fait qu'elle contient la vitamine E qui contribue à son élasticité et lutte contre le vieillissement prématuré. Elle est en plus nourrissante et réparatrice. Mm-hmm.